Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transport Fever 2, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors au programme du jour, on va relier Quiberon et Le Palais avec des bateaux, on va aussi relier Brest à Ouessant juste ici, et enfin il va falloir qu'on s'occupe également du port de marchandises de Nantes, puisqu'on aura des bateaux qui viendront ici du puits de pétrole jusque, bah, du coup le but c'est d'arriver ici à cette raffinerie. Donc écoutez, on va commencer tout ça sans plus tarder, et j'ai oublié aussi un dernier port, mais ici il faudra qu'on importe marchandises depuis ces deux mines de fer, puisque le fer devra arriver jusqu'ici à Quimper pour ensuite faire fonctionner ici l'usine de biens. Alors pour l'instant c'est un petit peu tout déconstruit, mais au niveau des marchandises ça prendra sens plus tard, une fois qu'on aura du coup toutes les lignes. On va commencer par la priorité, c'est-à-dire les ports de passagers. Donc on va prendre du coup ici de quoi faire un petit port de passagers à Ouessant, une petite bourgade qui m'a l'air ma foi bien tranquille. Donc si on peut, voilà, se le relier directement là de la manière la plus simple possible, c'est ce qu'on va faire. Alors j'irais même que voilà, faut vraiment mettre un peu de distance, parce que du coup il y a une petite descente, donc il faudrait hop terraformer un peu si on peut du coup. Ouais, hop, comme ça. Ok. Donc là, le petit port ici. À Brest. Alors, à Brest, où est-ce qu'on met le port? On peut soit le mettre ici, parce que bon, on va pas se mentir que la forme quand même ressemble pas mal à un port. Mais ce serait un peu chiant pour le tram. Pour le tram, le plus simple, vu qu'il y a le terminus ici, ce serait de mettre le port ici. Comme ça, vous voyez que de la gare, tac, on prend le tram, ça nous amène au port. Et ça fait, entre guillemets, une certaine continuité, en fait. Après, est-ce qu'on se met un port comme ça? On peut se mettre un petit port comme ça, voilà aussi. Donc on va le mettre là, du coup. Vous voyez, on le met là, mais il est accessible, du coup, depuis le tram, hein, bien sûr. Vu que l'arrêt du tram est juste ici. Par contre, ça nous fait un truc pas très beau. On va retoucher un petit peu. On va retoucher un petit peu. Parce que là, du coup, ça va nous faire un truc pas très beau, forcément. Voilà, et nous on préférait bien sûr quelque chose de beau, tant qu'à faire. Voilà, on va un peu changer là parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir de voie de bus. Ça, on va terraformer de cette manière là. Et on va venir mettre une rue. Voilà, on vient mettre une petite rue comme ça. Alors on peut presque utiliser une toute petite rue. Voilà, utiliser une toute petite rue comme ça. Qu'on relie ensuite. Qu'on relierait comme ça, voilà. On peut faire ça. Et l'arrêt de tram, alors du coup on va le décaler un petit peu, voilà, pour qu'il soit entre guillemets plus proche. Voilà, donc du coup ce sera rue Mirabeau, ce sera du coup le port de Brest. Voilà. Parfait. Donc là déjà, on peut facilement donc faire la première ligne de bateau. Il n'y a pas beaucoup d'installations en plus. Là on va pas mettre de bus, on va laisser juste, voilà, le port qui dessert la ville. Amplement suffisant. Donc ça du coup sera la ligne bateau Brest Ouessant. Voilà. On va bah, du coup mettre un petit chantier naval. Là on va le mettre à côté du coup, vu qu'il y a un peu de place. Non, il n'y a pas de place finalement. Ah mais non, mais c'est qu'il est à l'envers là. Non, si si, il était dans le bon endroit. Ok. Faut que je le mette, je comprends pas comment faut que je le mette. Ah, il faut que je le mette vraiment plus sur terre. Il faut que je le mette plus sur terre. Ah oui, ok, c'était ça le problème. Donc on va le mettre plus sur terre. On va faire passer la route devant. Hop. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Hein.
On va faire du à peu près, quoi. Est-ce que là, il n'y aurait pas moyen de se relier ça un peu plus joliment? Voilà. Un truc comme ça, là. Ce sera très bien. Ok. Donc là, maintenant qu'on a ça, on peut sortir le petit bateau. Donc, bateau de passagers. Alors. On met lequel? Ah, on aurait presque pu mettre un petit, c'est vrai. Là, j'ai mis un grand terminal, mais en vrai, un petit terminal, ça marchait aussi. Hein. Un petit quai, voilà. On va plutôt partir sur un petit quai, je pense, pour ici. Et on va mettre vraiment, du coup, un petit bateau. Alors, lui, il est très capacitaire. On va mettre une petite navette comme ça. Très bien. Ici, et bah ici, on va faire pareil. Donc ici, on va mettre, voilà, un petit, du coup... Un petit port ici au palais. Pour le coup, le port là, je le verrais bien ici. Hein. Cette fois-là. Alors, quai hors des voies navigables. Ah si, ici ça marcherait. Après, est-ce que je peux pas modifier et mettre le quai ici? Ah ouais, ça m'irait mieux comme ça. Ça m'irait mieux de l'avoir là. Ok. Bon, là, le port est peut-être un peu loin. Et ici, donc, à Quiberon, et bah, à Quiberon, tac, 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 on ferait pareil un petit port, et puis on le mettrait là, hein. On le mettrait au bout. Au bout de la ville. Comme ça, voilà, on peut un peu terraformer, hop. Et on se met la ligne, du coup, d'ici à là. Après, on peut presque mettre deux ports, j'allais dire. Mais est-ce que ça ferait pas trop? Vous voyez, deux ports avec une petite navette fluviale qui fait le triangle. Mais non, ça fait peut-être trop. Hein. Bon, on va se limiter à ce petit port ici. Ça me convient. Donc ça, du coup, ça c'est la ligne bateau Quiberon. Du coup, c'est le palais. Alors, on va renommer, c'est... Là, il y a une ligne 1 qui traîne. Voilà, c'est la ligne pour les camions. On va la renommer. Du coup, ça, c'est la ligne camion, pétrole, raffinerie. Alors, du coup, ce sera pétrole, raffinerie pour le carburant. Mais c'est le carburant, du coup, de quelle ville, là, déjà, qu'on fait? C'est le carburant de Morlaix. Voilà, Morlaix, camion, pétrole, raffinerie. Je crois que c'est comme ça qu'on avait renommé. Voilà, hop. Et donc ici, alors pareil, un port. Bah, on a un petit chantier naval ici. Donc voilà, le bateau, il pourra faire le petit aller-retour. Est-ce qu'on se met un vieux bateau ou... Oh, je partirais sur la même chose. Voilà, je partirais sur une petite navette comme ça. Après, là, on pourrait presque avoir une navette qui aille jusqu'à Noirmoutier, hein. Et du coup, on serait plus sur un... Ou jusqu'au Croisic. On peut aussi se faire une ligne comme ça, tiens. Un petit bateau qui va du Croisic. Alors, peut-être pas au palais, mais peut-être plus à Quiberon. Un petit Le Croisic Quiberon. Le Croisic Quiberon. Voilà, un petit bateau comme ça qui traverse tout. Et là, vous voyez, comme ça, on pourra presque faire Nantes, Noirmoutier, le Croisic, tac, et aller jusqu'à Quiberon, tout ça en bateau. Et on va mettre... Alors, on va pas mettre lui, mais voilà, on va se mettre le petit ferry comme ça, là. Comme ça, il va quand même assez vite. Et ce serait limite bien, du coup, de se rajouter un petit port, voilà, de passagers. Donc, du coup, faut creuser un peu. Hop. Voilà, on creuse un peu la plage. Pour accueillir les bateaux. Et là, normalement, on devrait pouvoir mettre le débarcadère. Ah non. Ça veut toujours pas. Comment ça qui est hors des voies navigables? Tu m'énerves un peu, bonhomme. Bon bah du coup, hein, écoutez, il ira se faire voir.
Hop. Voilà, on va faire quelque chose à peu près comme ça, ce sera bien. Bon, c'est pas grave, hein, ils arriveront sur le même truc, ce sera pas saturé, hein, écoutez. Chacun à son tour. Et ensuite, donc, oui, après maintenant, il va falloir se mettre au niveau des ports de marchandises. Donc là, par contre, on va mettre ici un grand terminal. Donc on va le caler comme ça. Voilà, on va faire du coup un trou ici, voilà, vraiment pour que les bateaux puissent venir. Voilà. Ensuite, donc, il va nous falloir la petite route, bien sûr, pour relier. Ou la petite route comme ça, hein. Pour se relier ici. Voilà, hop. Qu'on va se relier comme ça. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Donc là, comme ça, on est relié aux deux usines. Et donc, tout ceci, ça ira jusque ici. Jusqu'à ce port-là. Sachant que je crois que ce sera la seule marchandise, hein, qui arrivera ici. Donc, on va pas. Ouais, on va pas mettre grand-chose de plus. Ouais, on va caler le port ici. Et pareil, on va du coup un petit peu creuser pour que les bateaux puissent venir. Sinon, ils pourront pas venir. Hop, voilà. Hop, parfait. Et donc ça, ce sera relié avec une route et on va se relier à l'usine. Nickel. Bon, on va déjà mettre la ligne, même si pour l'instant il n'y aura pas de bateau dessus, mais au moins la ligne sera créée. Donc ça, ce sera la ligne du coup. Donc c'est pour les biens de Brest, hein, donc Brest, fer, acier. Et là, on passera vraiment très proche ici, mais bon, écoutez. Si le jeu a décidé que c'était possible, c'est que c'est possible. Et enfin, on va terminer avec le port de marchandises qui sera sûrement le plus compliqué à faire, c'est celui de Nantes. Donc là, à Nantes, on a le port ici de voyageurs. Ok. Le but, ça va être ici de casser peut-être un petit peu de bâtiment et de mettre du coup le port de marchandises. Et ce qui serait vraiment le top, ce serait de se relier directement là aux usines. Ça, par contre, c'est moins garanti. Donc, ce qui serait bien, serait de faire un grand port de marchandises. Ou pas. Peut-être pas en fait. J'ai une petite idée quand même de comment je vais faire. Alors bien sûr le port du coup sera avant le pont. Parce que bah le but c'est que les bateaux ne passent pas sous le pont. Enfin pas les bateaux de marchandises en tout cas. On va essayer de limiter quand même les dégâts. Donc j'aimerais bien faire voilà, un grand port comme ça. Ça c'est ce que je verrais bien ici. Alors du coup il faudrait que je sois un petit peu plus incliné. Genre comme ça. Voilà. Hop. Et là, du coup, on peut faire un peu mieux ce que je voulais. Ensuite, débarcadère. Donc, on va en rajouter. Ça, on va enlever. Voilà. On enlève, on enlève, on enlève. Et du coup, il faut que je mette. Donc, on va mettre des petits terminaux. Genre, on va en mettre deux. Ah, ils sont pas dans le même sens. Comment ça se fait qu'ils soient pas dans le même sens ces trucs-là? Ok, ils sont dans le même sens. Et au niveau des trucs d'accès, du coup, on va les mettre. Est-ce qu'on les met devant? On peut se les mettre là. Voilà, hop. Bon là on refait vraiment la zone hein, ici. Donc voilà, ça fait un grand port. Hop, on va un peu casser du coup tout ça. Donc
Là, bien sûr, on terraforme. Tac, 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 tac. Le but, c'est d'arriver ici. Hop, 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 hop. Là, voilà, on fait ça. On casse tout ça. Sachant que là, la voie, déjà, elle descendait pour venir au niveau du porte-passager. Donc, ça doit être à peu près la même hauteur. Ok. Ensuite, on va se mettre, du coup, la petite route qui va bien juste devant. Voilà, la petite route qui va bien comme ça. Là, le but, ça va être de mettre aussi, si jamais on doit charger, décharger, donc un terminal routier pour les camions, du coup. Si jamais, voilà, comme dit, on doit charger ou décharger des marchandises. Donc, on va le connecter comme ceci. On va un petit peu l'allonger. Alors, j'aimerais bien l'allonger un petit peu. Alors là, il est peut-être un peu, du coup, mis trop proche, puisqu'on peut pas le modifier. Est-ce que là, je pourrais le modifier? Ok. On ajoute un peu de longueur et ensuite, ce qui serait vraiment pas mal aussi, serait d'ajouter des bâtiments. Mais alors ça, du coup, ça va être un peu chiantos. Parce que du coup, ça prend de la place. Ah, ou alors, attendez, non, j'ai une solution. Alors non, du coup, on va refaire. On va le refaire. Et il faut que je mette deux plateformes, voilà, deux plateformes de ce côté-là. Ah zut, ça l'a relié à la route. Non, je veux pas qu'il se relie à la route, je voudrais le relier moi après. Donc voilà, on va remettre ça, hop, comme ça. Là, j'allonge un peu les plateformes. Et là, voilà, là j'ai de la place pour mettre ça, ok. Donc ça me dirait bien. Toujours l'autre route, donc là, juste à côté. Ensuite, donc là, ça me proposerait une connexion comme ça. Et du coup, pour la route, une connexion comme ça, j'imagine. Ok. Donc, on va partir plus ou moins là-dessus. Voilà. Donc là, on relie la route ici. Non, on va même faire autrement. On va se relier là. Hop. Et toi, on va te relier. Voilà, on va te relier comme ça. Ça n'empêchera qu'on mettra en sorte que le jeu ne puisse pas construire de bâtiment. Et puis. Ouais, ici, il faudrait quand même quelque chose comme ça hein, pour que ce soit bien. En fait, là. Ouais, il nous faudrait peut-être plus quelque chose comme ça. Et ici, juste pour les camions. Alors, on va mettre juste pour les camions, mais voilà, que ce soit pas trop visible. Voilà, ça, c'est juste l'accès camion. Sinon, les voitures passeront là. Ok. On va relier tout ça. Bon, là, évidemment, ce sera pas possible, en fait, de connecter ici. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, du coup, l'accès pour les camions. De cette manière, donc, mes camions, là, ils pourront charger, décharger à leur guise. Ils passeront, je pense, que le plus rapide, hein, clairement, ce sera d'aller par là. Tac, là, ils prendront le passage à niveau. Et ensuite, ils viendront, donc, ici, pour décharger. Ou alors, ils passeront par ici. Là, tac. Et oui, c'est vrai que c'est aussi rapide de passer là, finalement. Voilà, au moins comme ça l'accès est fait. Alors on va peut-être pas mettre autant de débarcadères là et de quais. Alors je peux même pas le casser. Là. Comment ça se fait que je puisse pas le casser? Si je fais comme ça, non. Comment ça se fait que je puisse pas le casser? Non, ça veut pas, ça veut vraiment pas. Relou ça un peu. Bon bah tant pis, je voulais pas mettre autant de longueur, je voulais enlever celui-ci en fait, d'avoir juste les deux là, vu que finalement ça prend juste cette longueur là. Mais bon, et bah si le jeu veut pas, hein, écoutez, ce sera tant pis, bon bah ce sera tant pis, ok. Et bah au moins ça aura le mérite d'être là. Donc là, ce port là est fait, et il reste plus que... le petit port ici, du coup, qui permettra donc de charger toutes ces marchandises. Là, on va mettre juste un seul quai. Le seul problème, c'est toujours que le bâtiment du port, je trouve, est un peu trop gros. Mais enfin bon.
Ça reste un problème mineur. Donc là, on le met, voilà, on relie plus ou moins joliment, du coup. Après, là, on va pas se soucier vraiment du détail, hein, ici. Franchement, c'est pas ici que ça a vraiment de l'importance. Et on va créer la ligne, pareil, au moins, elle sera déjà créée. Donc ça, du coup, bah pareil, ce sera du coup Brest. Pétrole, raffinerie. 2, puisqu'il y aura la première ligne qui sera en train. Et après, donc du coup, il faudra mettre le camion ici qui livre de là à là. Donc le jeu, il prend quel itinéraire? Il prend celui-ci, ok. Par contre, là, il passe par les voies du tram, de ce que je vois. Donc ça m'arrange pas vraiment qu'il passe par les voies du tram, hein, parce que... parce que c'est pas ouf. Donc on le fera passer. Par où est-ce qu'on devrait le faire passer logiquement? Je pense que le mieux c'est de le faire passer par là. Hein. Est-ce que là, là ça dit quoi si j'améliore cette rue là peut-être? Peut-être ce serait mieux. Non, c'est pas plus rapide. On dirait pas que c'est plus rapide. Voilà, là on va un petit peu aider le jeu à se développer. Ok. Voilà, bon ça me convient bien. S'il fait ça, s'il fait cet itinéraire, c'est mieux. Donc ça c'est Brest, pétrole, livraison. Voilà, hop, parfait. On peut pas encore toutes les mettre en service, toutes ces lignes de marchandises, puisque ça sert à rien vu que la boucle n'est pas complète, donc ça ne produira pas. Mais enfin en tout cas, on aura déjà bien avancé là, et bah, pareil, on va pas mettre les bâtons en service, puisque bah, de la même manière, ça ne livrera pas. Donc, eh ben écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Bon, pas sûr qu'il y ait grand monde sur ma liaison ici entre le Croisic, hein, et puis Quiberon, mais au moins tout ça est relié. Et puis voilà, même là, je sais pas s'il y a beaucoup de gens. S'il y a quand même 11 personnes déjà. Ok, c'est pas mal. Avec ce petit aéronef là. Donc bah écoutez, on est bien. On est bien. Là, au niveau de mes bus, qu'est-ce que ça donne? Ah, vous voyez que mon quart TER Lannion-Morlaix est bien rempli. Hein. Enfin, ouais, les gens l'utilisent peut-être plus pour aller... Ah, on va renommer cet arrêt d'ailleurs, Morlaix. Gare. Rue Pasteur, les gens vont beaucoup rue Pasteur, ok. Et est-ce qu'ils descendent dans la rue Pasteur? Rue Pasteur et rue Pascal. Ouais, ok. On va, je pense, doubler les bus sur cette ligne-là. C'est les bus qu'on avait mis dans la précédente vidéo. Est-ce que là, à carré, ça dit quoi? Carré Lorient, ok, ça a l'air stable avec 4 bus, ça m'a l'air bien. Ici, à Rennes. À Rennes, ça dit quoi? Rennes-Nantes, il y a du monde. Ok, Rennes-Nantes, il y a vraiment du monde. Même là, il y a du monde. Et à Nantes, ok. Alors, on va peut-être rajouter 2 bus. Ce sera suffisant. Redondantes, ils sont juste bloqués. Ok, ils sont juste bloqués. Et là, pas particulièrement. Pas particulièrement de monde. Juste que les bus sont bloqués, d'accord. Bah ici, bon ici c'est toujours l'éternel problème. Je pense que là, il faut qu'on supprime ce PN. Déjà parce que ce PN crée des ralentissements. Donc on va juste, d'abord avant de finir la vidéo, à supprimer ce PN. Parce qu'il crée vraiment beaucoup de ralentissements. À chaque fois. Donc on va en profiter pour améliorer la route, tant qu'à faire. On supprime le PN, on améliore la route, hein, les deux vont ensemble en général. Donc voilà, on va se mettre une petite rue avec un pont. Voilà, on va prendre une petite roue de béton comme ça là. Hop, voilà. Et on va descendre au minimum syndical. Voilà. Tac. Alors là, je suis peut-être allé un peu loin sur le truc. Voilà. Ici. On va faire aussi comme ça. Hop. Voilà. Faisons ça. Donc là, au moins, déjà, ça supprimera une partie des bouchons liés à la problématique du passage à niveau. Puisque du coup, il n'y aura plus de passage à niveau.
Ensuite, là, les bouchons ici, ils sont dus à quoi? Ils sont dus au fait qu'il y ait trop de gens et au problème de rond-point. Alors, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'esquiver ça en mettant là une route directe? On va voir si ça permet d'améliorer la situation ou non. Là, mes camions... Ok, mes camions, ils font que traverser. Ouais, des fois, le fait que les... De faire un rond-point comme ça avec une route directe qui traverse, ça marche bien. Je sais que je l'avais fait là, ça fonctionnait bien, ça permet d'éviter les bouchons. Après là, j'avais mis des petites rues directes aussi pour que les voitures puissent de la même manière éviter justement les bouchons. Enfin, éviter de passer par le rond-point, on va dire. Vous voyez là, les gens qui... Je sais pas, les gens là qui vont juste à Nausée par exemple. Non, c'est pas Nausée ici, c'est quoi? C'est Nord-sur-Erdre. Les gens qui vont juste à Nord-sur-Erdre, vous voyez par exemple, ils pourraient quitter avec la rue là. Pourrait quitter avec la rue là. Et là, ceux qui vont juste à droite, bah pareil, on pourrait mettre une rue. On pourrait mettre une rue avant. On va essayer de le faire. Pour que les gens justement quittent avant. Donc on va enlever les feux. Voilà. On va s'essayer ça déjà. On va voir si ça peut un petit peu améliorer ou non l'histoire des bouchons. Là ça va, vous voyez si ça bouchonne pas par exemple. Là on a une 3 voies. Je pense que même la 3 voies ici n'est plus vraiment nécessaire. Je pense qu'on va pouvoir repasser sur une 2 voies. Ouais, ça sera plus esthétique. Hein. Là ici il y a quoi? Là ici, ah oui, là il y a le feu rouge parce qu'il y a les camions qui montent là-haut. Et putain, le taux des camions, alors j'ai dit un gros mot, mais le taux des camions par contre est vraiment pas ouf. Hein, à cause des ralentissements sans doute. À cause des ralentissements ici j'imagine, ouais. Mais le taux... Ouais, le taux est vraiment pas bon. D'ailleurs, il faudrait que les camions soient un peu mieux entretenus sur la ligne, parce que là, c'est pas top. Bon, et eh ben écoutez, voilà. En tout cas, c'est bien, les bus fonctionnent un petit peu. Et là, celui-ci, Redon-Rennes a l'air de bien fonctionner. Je pense qu'on va s'ajouter 3 véhicules dessus, puisqu'il y a du monde là qui attend justement pour aller à Redon. Et celui-ci, celui-ci c'est vraiment de la petite ligne tranquille, une petite ligne de bus où il n'y a pas grand monde, mais si ça peut désaturer au moins un tout petit peu, c'est déjà bien. Bon bah écoutez, je vous remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo un petit peu consacrée aux bateaux. Dans le prochain épisode, on se donnera rendez-vous pour la construction de la gare de Quimper. Et puis globalement de la ligne hein, qui va de Lorient jusqu'à Quimper. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. C'est tout le monde, c'était Léo, à plus.